Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo placée sous le signe de la nouvelle Snapshot, la 24W10A, et qui fait la part belle, mais alors la part très 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 belle, à mes amis les loups. Alors, la dernière fois, le changement, c'était cette histoire d'armure que l'on pouvait colorer, qui prenait des dégâts, hein, ce qu'on peut voir ici. Et bien, dans cette nouvelle Snapshot qui est parue donc il y a 2 jours, il semblerait qu'il y ait des nouveaux loups, des loups en fait différents en fonction des biomes. Alors je crois qu'on a exactement 9 variantes de loups qui correspondent pour certains donc aux loups qu'on peut trouver dans les taïgas classiques. Le loup des bois, donc je pense que ça va être celui-là hein, qu'on va retrouver. Le loup cendré dans les taïgas enneigés. Le loup noir, celui-là j'ai vraiment envie d'aller le trouver, dans les taïgas anciennes de pins. Alors ça j'en ai pas repéré par ici. Non, quand je pars par là, il n'y en a pas non plus. Il y a le loup brun dans les taïgas de pins lui aussi. Donc potentiellement le noir et le brun, on va les retrouver ensemble. Le loup rouillé, alors je sais pas le terme s'il est vraiment bien traduit, qui apparaît donc dans les jungles. Jungle clairsemée, donc ça je sais que j'en ai une là-bas, donc ça va être un des premiers points sur lesquels on va aller. Je vais vous laisser ici. Je voulais juste vérifier. Potentiellement. Non, j'ai pas mes os. Alors je vais aller faire le plein d'os. Voilà, donc le loup rouillé. On continue avec le loup tacheté. Un loup qui est, lui, du côté des savanes. Donc ça aussi, c'est un biome que j'ai pas très loin de chez moi. Donc on va aller le visiter. Le loup rayé dans les Badlands, particulièrement celles qui sont boisées. Je pense qu'avec ça, hop, je devrais être bon. Et je vais refaire un peu le plein de ceci. Voilà. Et il reste après le loup rouillé, rayé, pas rouillé. Alors il y a le rouillé, il y a le rayé, et il y a le loup des neiges. Alors celui-là, semble-t-il, c'est un loup très rare qui apparaît seul. Parce que les autres peuvent être en meute de 4 à 8, jusqu'à 8. Ah ouais, le loup tacheté en savane. 4 à 8 loups. Bon, potentiellement, s'il y a 4 à 8 loups, mais qu'ils attaquent pas, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression d'avoir un problème avec les textures. Je sais pas si c'est ça, mais ouais. C'est pas top top. Bon, de toute façon, le but du jeu, c'était de faire cette petite vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est vrai. Oh, y a trop de chats. Trop de chats. Allez, hop, là, on a ce qu'il faut. Il y a trop de tout, en fait. Hein. J'ai vraiment des éléments un peu partout. Ouais, non, il y a vraiment un problème avec les textures. Elles sont vraiment dégueulasses, là. Bon, je vais pas redémarrer pour ça, mais ça vaudrait le coup de vérifier ça. Je peux même pas positionner ça, le temps d'enlever un chat, il y en aura un autre qui va se rasseoir. Non, c'est bon. Oh, c'est bon. Allez. Hop, on positionne ça ici. Ça, je garde comme d'habitude avec moi. Je suis un petit peu trop plein, mais c'est pas grave. Si on a besoin, on reviendra. Donc vous pouvez voir que j'ai ramené des bestioles. Je continue en fait à faire le plein avec tous les animaux que je peux récupérer. De manière à vous montrer dans ces petites vidéos les évolutions, les nouveautés. Et donc là l'objectif ça va être d'aller chercher ces loups. Allez hop, c'est parti. Voilà, j'ai bien avancé, mais je n'ai pas rencontré un seul loup. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça a changé de biome. Et j'espère que je vais pouvoir faire des belles rencontres par ici. Donc, il y a du tatou, ça c'est certain. Mais maintenant, est-ce que je vais donc trouver ce loup tacheté dont on nous indique la présence
dans les plateaux de savane. Est-ce qu'ils vont se promener la nuit, de jour? Ouais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai oublié de prendre un lit. Conclusion, je suis bon pour aller me promener et à essayer de repérer ces loups qui se déplaceraient donc en meute. Là-bas, c'est une jungle, ça pourrait être intéressant d'aller voir à la limite entre les deux. Ah, déjà les creepers qui spawnent. Alors avec mes chats, potentiellement, je suis quand même plus ou moins protégé. Mais c'est vraiment eux qui spawnent en premier là. Non, ils se déclenchent quand même, hein. Ils tentent le coup. Mais après ils fuient. J'adore ça. J'adore cette position là en fait. De pouvoir aller les baffer et eux ils reculent. Bon, après c'est sûr que quand je rends trop le con, je risque ma peau et je risquerai d'être obligé de recommencer à zéro comme d'habitude. Donc on va éviter ce genre de choses et on va aller donc se rapprocher de la jungle. Peut-être en passant par là. Alors je me disais que pour l'instant il n'y avait pas trop de danger dans l'eau, mis à part les noyés avec leur trident, les pires. Et donc rien n'empêcherait les développeurs de chez Mojang de nous proposer un jour éventuellement. Non, c'était pas ça. Je voyais un truc qui bougeait, je me disais c'est eux, mais non. De nous proposer peut-être des eaux infestées de piranhas par exemple. Ça serait monstrueusement horrible. Oh, j'aime bien ce que je vois là-bas. J'étais en train de me dire les Badlands, je n'en avais pas à côté de chez moi. Et oh, le village, il est beau. Oh, j'aime bien cet endroit-là. Bon, j'ai déjà oublié mes loups. Allez, ouais, plateau de savane, on vient d'en traverser, on n'a rien trouvé. Potentiellement donc les Badlands boisés. Ça, j'arrive pas à voir ce que ça peut être. Les taïgas enneigés, taïgas de pins, ici j'en ai pas vu. Taïgas anciennes non plus, avec des sapins. Là pour l'intendant, on va se rapprocher de ce village. Là, je trouve ça génial là-haut là. Allez. Ça c'est fait. Oh, le raté. Ah, je l'ai pas vu, il vient de spawner. Il était pas là tout à l'heure. Ouais, la hache est quand même assez monstrueuse. Hein. Mais oui. Ah non. Quoi déjà? Deux coups et un chien qui. Un loup qui l'aime. Bon, bah, pas mal. Alors, ce petit village. Très coloré, très lumineux. Avec un chameau. Donc pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, oh, je pense que maintenant le chameau est devenu une des montures assez courantes, on va dire. Dans le jeu. Ah, voilà.
Oh, il y a du chat ici. Et ça manque de lit. Un peu classique. Oh, mais punaise, mais il y en a des chats. Ah. Toi, tu bouges. Bon, pour l'instant, pas de nouveau loup. Mais un nouveau village. Et j'aime bien sa position là, un petit peu au bout de cette zone. Donc moi j'arrive de là-bas et donc on va passer par là. Alors ça je déteste. Voilà, ça tu peux toujours essayer de me suivre. Ouais, c'est bon. Mais non, mais hop là. On se tente un petit retour par ici, en espérant croiser donc une nouvelle meute de loups. Et puis bah donc à défaut, si on les trouve pas dans cet épisode-là, je me ferai quelques sorties donc entre mes villages de là-bas et ici pour ramener ce qu'il faut pour développer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est joli. Ah, il y a de la. Je rêve pas là. Pourquoi ça flotte dans l'air comme ça? Il doit y avoir un. Bah oui, obligatoirement. Il va y avoir un portail ici. Caché là-dessous. C'est quoi ce truc? Allez, le monolithe. Non, le blanc. Ah, c'est génial. J'adore cette nouvelle zone de jeu là. Alors, hop, faisons le ménage. Non, ça suffit le chat. Ouais, par contre, aucun intérêt ici. Voilà, c'est bien dégagé. Oh, pardon. Le pauvre petit chat. Peut-être que je leur donne à manger de temps en temps. Je sais pas, tiens. Est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus? Je sais pas s'il faut leur donner de temps en temps. Ouais, si, je pense qu'il faut quand même les nourrir avec du poisson. Ne serait-ce que pour leur remettre un petit coup de pêche. Un peu comme pour les loups quand on leur donne de la nourriture. Donc là, oui, je disais, j'aimais bien parce que j'avais cru voir un truc, mais hop, je passe à carrément autre chose. C'est ici, là. Là, il y a un truc à aller faire, là. Alors peut-être que c'est pas merveilleux, il y a peut-être pas une. Oh là là, ne poussez pas, les gars. Il y a peut-être pas une grotte ou quelque chose comme ça, mais on sait jamais. Allez, on se note ça aussi. On retourne à notre village principal en espérant faire de nouvelles découvertes. Bien, le retour se fait maintenant donc par cette petite jungle en espérant, mais ça va pas être évident, croiser. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouh là, ça brûle ici. En espérant croiser donc une meute de loups par ici. J'ai observé tout à l'heure un tatou juste à l'entrée de cette jungle. Tout ça étonnant, mais bon. Peut-être perdu. Ah, ça va devenir compliqué là. Non, c'est bon, ça passe. Voilà, donc cette jungle. Oh purée. Ce qui est compliqué dans la jungle, c'est que une fois qu'on est en hauteur, on voit plus le bas. Et quand on est en bas, on voit plus où on est. Et pour repartir, c'est quand même assez chaud patate, quoi. Allez. Vous l'avez vu, le petit point rouge là-bas? Là, ici, il y a un perroquet. Alors voilà, je me disais par rapport au. Oh, encore un autre perroquet là. Ouais, je suis pas équipé.
J'ai pas de graines, j'ai aucune graine avec moi. Donc je me disais, oui, si je cherche des loups, autant rester autour des animaux qu'il aime bien boulotter, à savoir les moutons. Oh là, je sortirai jamais par là. Si, c'est bon par là. Allez, hop, ça passe. Donc voilà, bon, mais faut quand même que je revienne avec un lit pour pouvoir me poser. Il y a vraiment un mix là dans cette savane. Qu'est-ce que c'est compliqué. Encore de la lave. Bon. Je pense pas que ça soit ici que j'ai trouvé une meute de loups. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ça serait très drôle que je dise qu'il n'y a pas de loup et il y en a juste à côté. Non, ça c'est pas un loup, ça c'est une sorte de chat sauvage qu'on peut trouver donc dans les jungles. Mais on peut pas les apprivoiser. Là en bas, ouais, bien sûr. Mouton, mouton, oui. Donc qui dit mouton dit possibilité d'avoir une meute de loups. Là il y a eu un cochon. Là, il y a encore du mouton. Mais non, ça y est, on est sorti de la jungle. Bon, eh ben tant pis. Tant pis, ça sera pas pour ce coup-ci. J'aurais bien aimé vous montrer ces nouveaux loups, mais en fait, bon, c'est un peu le principe de ma façon de jouer. Je ne vais pas me mettre en créatif pour vous présenter ces nouveaux animaux, je veux les découvrir en jeu. Donc, bah parfois ça marche, on les trouve. Parfois, on les trouve pas. Et conclusion, on fait un tour pour rien. C'est moi qui ai mis de la lumière là-bas. T'es mon terrain. Oups. J'ai pu pied. Ah ouais, d'accord, on est arrivé là. Oui, c'est moi qui ai mis de la lumière ici. Et là, il faut que je descende. On va aller voir ce qui se passe en dessous, mais pour ça il faut que j'aille sans les animaux. Allez, on va aller se mettre donc dans le bungalow. Ah, des loups. Alors, non, alors là on est sur des loups tout à fait classiques. Hein, ils sont complètement classiques. Allez, hop, en voilà un de plus dans l'équipe. Et toi là-bas, viens nous rejoindre. Voilà. Et je crois que oui, j'ai même ce qu'il faut pour toi. Et hop, il est où l'autre? Tu vas te mettre en gris. Eh oh, viens là, voilà. Tout le monde a son armure. On est bon. Bon, bah voilà. Alors j'ai dit que j'avais fait le tour et j'avais pas trouvé de loup. Et puis, juste pour me faire mentir, voilà, deux nouveaux loups qui sont arrivés. Mais bon, c'est des loups classiques. On les a trouvés, donc c'est le. Alors, je sais pas, parce que c'est pas le loup pâle. Enfin bon, là j'arriverai pas. Il va falloir aller se renseigner sur d'autres vidéos éventuellement en créatif pour voir quels sont ces différents loups. Mais moi j'espère pouvoir vous les montrer en jouant. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir se monter une expédition spéciale. J'aimerais bien retourner donc là-bas tout au fond, là où on a vu le village dans le désert. Et ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour ces nouvelles aventures. Hop, on se met au lit. Oh oui, il y a encore tout ça. Ah ben on peut se faire une nouvelle armure là. Hop là. C'est bien ça. Une nouvelle armure. Quelle couleur? Bleu clair. Ça peut être pas mal. Hop, hop. Voilà. Allez, c'est sur cette belle fabrication qu'on se quitte. À bientôt. Salut.